Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode Papycore C4 sur Ark Survival, sur le privé. Donc nous sommes sur The Island et on continue donc l'aventure. Il est 18h57 et nous sommes le lundi 15 février 2021. Donc ça c'est fait, c'est parti. Donc là je suis en train de ranger tous nos engrammes, donc on va faire un coffre-fort pour les engrammes communs. Et donc un coffre-fort pour ensuite l'inhabituel, un autre pour le rare, épique, légendaire et mythique. Voilà, hein, toutes sortes de... qu'on puisse avoir. Schéma mythique, celle du sac à gaz, bien sûr. Hein. C'est où qu'on les a, ces sacs à gaz hein. Genesis. Commune. Voilà, donc on va faire du rangement mythique. Mythique et commune, j'ai du mal à voir la différence. Commune. Donc si on a des doubles, on vire, hein, je pense. Hein. C'est pas la peine, on prend le meilleur. Donc 31. Là c'est combien 31,7 et celui-là c'est 31,4. Bon, toi tu t'en vas. Donc jeter. Voilà, hein, on va pas s'embêter. Le principal, c'est d'avoir le maximum de mythiques. Hein, après, mythique. Moi, comme j'ai fait un amnésie, donc ça me servira bien les schémas. Commune. Ça doit être mythique. Ça, ok. Mythique. Bon, ça me donne une idée, tiens. Tous les tutos que j'ai fait des animaux, je mettrai les selles dans un endroit. Ça, je serai. Lequel qui me resteront à faire. Mammouth, ouais, je me tape un mammouth, tiens. Je crois qu'on n'a pas fait. Ça c'est mythique. On a pas mal de mythiques quand même. Hein. Mythique, mythique. Ça c'est un pot. Pas de pot mythique. Hein. Je vais du coup chercher pareil. Ouais, on a pas mal de mythiques, c'est génial ça. Panneau métal. Pancarte. C'est quoi ça? Schéma NAS, c'est quoi ça? Ah, c'est pour piéger certains poissons. Ah oui, la NAS, ouais. T'as déjà essayé ça? Ouais, c'était surtout dans le primitif qu'on l'avait. Ah, le primitif, ouais. Munition pour lance-flamme. Missile téléguidé. Purée. Tu as les engins. Après t'as les recettes. C'est quoi? C'est toi qui as fait les recettes hein? Chef Patou. Ouais, c'est toi. Hein? Matraque électronique. Oh, une massue mythique. C'est tombé. Waouh. Remarque, tu mets du poids, ça fait quand même 150 et quelques. Pour assommer, c'est pas mal, remarque. Hein? C'est ce que tu m'avais dit, ouais. Ah bah oui. Il fait pas de mal, hein. C'est mythique.
longue vue, je vais la mettre là. Le lit, lance-roquette. Ça, c'est du mythique. Ma lance, elle est mythique, la mienne. Lance en bois. J'ai une lance en bois. Non, il faut arrêter, quoi. Bah non, je croyais qu'il y avait, tu sais, c'était le... Ce qu'ils ont fait, là, le cache, là, le costume de la lance. Ah ouais, non, attends. Franchement, qu'est-ce que je chasse avec ça? Allez, hop, attends. Donc là, j'ai du mythique. On a la lance de joute au mythique. Alors, je vois pas quoi, c'est trop ça. Dégâts 246%. Bravo. Donc ça, c'est un schéma. Là, c'est pareil, hein, c'est ça. Grenade à fragmentation. Ok. Bon, je vais pas passer mon temps là-dessus. Je vais en faire qu'un pour l'instant. Plan schéma, flèche enflammée. Ouais, tout ça, on les a eu dans les autres cartes. Ça, c'est décoloré. Ok, ça. Bâton lumineux. Oh, ça me fait penser à Minecraft, ça, les bâtons lumineux. Génère de la lumière autour de lui jetée là, il collera immédiatement à l'emplacement de l'impact. Pas broyable. Ah, j'aime vert. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bizarre ça. Ça, c'est quoi? Bouteille de plongée rare. Ok, ça. On a les bottes anti-émeute mythiques, 468 d'armure, c'est pas mal ça, dis donc. C'est pas mal du tout. Le boomerang. Boomerang. Ça, l'atelier, ok, tout ça, c'est... Ça c'est quoi ça? Ancrage pour tyrolienne. Ah ouais. On a les tyroliennes. Ok, bon bah ouais, c'est déjà pas mal là, tous les engrammes communs, on en a 79, je crois que j'en ai en double, hein. Faudrait voir ça, il me semble que j'en ai vu un ou deux en double, on va prendre le meilleur, sauf pour les structures, voilà là j'ai le double là, poids 4 machin et tout, hein, voilà, donc en environ, jeter. Ça pareil, hein, les bâtons lumineux on va dégager. Voilà, c'est bon. On a un de chaque, on en a 77. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, du tout. Ok, donc je vais ranger les autres. Je vais pas faire que ça, parce que pour la vidéo, après, c'est pas très intéressant. Les sels, les engrammes. Allez, hop, on va ranger ça là-dedans. Ça, c'est mythique, ça. Ouais, sac à machin, non ouais. Allez, hop, là-dedans. On a pas mal quand même, hein, purée. Ah ouais. Ouais, moi j'ai une petite wyvern. Hop là, attention, j'ai des trucs là. Là, tu cherches un Thérésy, c'est ça? Ouais. Le paquet, hein. Bon, allez.
première petite gorgée. Vu celui-là. Bon, bah, tout le reste, c'est nickel. Attends. Ouais. Ok, pêche. J'en suis où là? Hop, ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça c'est fait. Hop. Ça, ça. Diffusion en cours. Tac, tac, d'accord. Donc c'est celui-ci. Et on télécharge. Voilà, nickel. Hutch. Tout ça c'est bon. Ça c'est le contenu, ça va, ça attend. Et là, c'est fini. De quoi? Ah ouais? Avec le Carnot? Ouais, plus là où hiverne, tu m'étonnes. Ok, bon, je vais voir les ptios, hein, où est-ce qu'ils en sont. Hein. C'est vraiment tout doux, tout doux. Hein. 50%, tu vois pas toi. Ça fait au moins 10 jours qu'on est dessus. Hein. Bon. J'ai les œufs qui vont éclore, j'en ai mis quelques-uns. J'avais un aigle porteur, il serait où? Il y en a un qui est mort. Ah bon? Donc là, tu as le tien, là, Patou, pour qu'il serve d'atelier. Là, j'ai mon combattant. Ah. Où c'est qui serait celui-là? Bon, je vais regarder dans les cryos. Hein. Là, j'ai lequel, là? Gare à toi. Ça doit être à toi celui-là, non? Weight 568 kg, non, c'est même pas la peine. Il me faut 2 tonnes. C'est des wyvernes. Donc là, non, je n'en ai pas d'autres. Ça, c'est un Thérésine. Mal Thérésinosaure. Ah, c'est celui que tu as fait, ça, le niveau 217. D'accord, ok. Ouais, ouais, t'as rien changé. D'accord. Donc je pourrais mettre ces. Des trucs, ok. $145, c'est ça? D'accord. Donc je prendrai ces. Alors là, est-ce qu'on a des aigles là? Non, on n'en a pas du tout. Ah, il va me falloir un gros porteur. Moi. Chercher du métal. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là? Transporteur, bah voilà. 1,7 tonnes. Bon, ben c'est voilà, c'est celui-là. Bon, je sais pas si c'est le tien ou le mien, mais bon. Ah bon? Ok, ok. 1,7 tonnes, ça m'intéresse. Donc là, je sais pas si on passe. Ouais, on passe. Est-ce qu'il y a encore de la viande? Parce que ça mange, ça mange. Ouh là, ça diminue. Hein. Oh, toi, attends, je vais me dégager de quelques petits trucs. Salut Zandercool, comment vas-tu? Ça va, ça va? Ça a été cette journée. J'ai à boire, j'ai une cryo. J'ai ma pioche, j'ai pas de lance par contre. Enfin, il faudra que je range hors Twitch de toute façon. Ah, là j'en ai une. Lance métal normale. Ouais, ça sera mieux que rien. Hein. Ok, on va mettre celui-là là. Ça c'est pour faire des armes. Il faudra se faire des bons basilos pour aller à la grotte. Tu sais où on a besoin de cactus pour pas se faire repérer là. Pour les dégager à fond et qu'on puisse y aller tranquillement. Ça caille là, en purée des. Je mets 21. Hein. Ah, c'est que 16, il fonctionne le truc ou quoi? Ouais. Il est qu'à 16, on est qu'à 16. Ça sert à rien que j'augmente, hein. Il va pas chauffer plus vite. Hein.
Ah, par rapport à hier, il n'y a pas de changement pour l'event. Hein, j'ai voilà. On n'est pas multiplié. Voilà. Donc c'est embêtant. C'est embêtant. Et voilà. Donc c'est comme si j'étais sur l'officiel x1. Donc c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Avant, j'étais en x4 et x2 pour certaines choses. Et là, je suis x1 depuis l'event. Donc l'event fois le sens inverse pour le mien, quoi, pour mon serveur privé, c'est embêtant. Voilà, bon, on continue, on se laisse pas abattre, hein. On verra par la suite. Je sais pas si j'étais voir si Verygame m'ont répondu, mais je pense qu'ils vont dire cela ne nous regarde pas. C'est avec le jeu, hein, les concepteurs du jeu, qu'il faut voir ça. Eux, ils louent le serveur, point barre, quoi. C'est ce qu'ils m'avaient dit la dernière fois. Si on peut encore faire un truc. La fin de l'event, ça doit être lundi prochain, lundi de la semaine prochaine, je pense. Ils vont arrêter. Après le week-end, quoi. De voir si on peut encore faire. Ouais, si tu as des renseignements, Undercool, je suis tout ouïe, hein, ça. Y a pas de problème hein. Si tu peux m'aider parce que ils ont enfin, je sais pas si tu connais un petit peu le Gamini Game Sitting tu sais carrément le mode expert hein, pour les serveurs ils ont rajouté quelque chose dans le Game Setting enfin le temps ouais non le Gamini ils ont rajouté quelque chose justement c'est sur les bébés les œufs qui éclosent tu vois la maturation voilà la maturation des petits. Et donc ils me le mettent officiel 1 sur 1, moi je le mets sur 4 et il ne le prend pas en considération. À chaque fois que je relance le jeu, il se remet sur 1. Donc ça me prend la tête. Alors, que ça soit en mode normal ou en mode expert, c'est exactement la même chose, il me le prend pas en considération. Je vais essayer de voir sur YouTube si on peut changer. Ouais, on a été voir, mais bon, après, c'est tu n'as peut-être pas le même concept de recherche. Peut-être que toi, tu trouveras quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Nous, on a vu des trucs intéressants, mais rien à faire. Rien à faire, ça veut pas. C'est pas pareil, non, Nitrado, Verygame, Gportal, c'est pas pareil. On a essayé les trois, c'est pas pareil pour la config. Donc c'est un petit peu embêtant aussi ça. Comment avoir l'event Saint-Valentin sur Arc en partie privée? Disons qu'il faut plus vérifier sur Verygame. Sinon, ils vont te donner des instructions sur les serveurs Nitrado ou Gportal et ça n'a rien à voir. Il faut que tu marques le nom Verygame surtout. Donc si un télétwitcher ou un youtubeur qui est sur Verygame, ça serait le mieux. Comme ça, il pourrait nous renseigner. Moi, je pourrais renseigner sur certaines choses, comme le flux lumineux pour retrouver notre corps, pour le gamma, hein, parce que d'origine, tu ne l'as pas. Tout ça, c'est à toi de le rajouter. Hein. Donc ça, j'avais cherché, j'avais trouvé. Mais maintenant, pour la maturation des bébés, quoi. Maturation des bébés, Verygame, tu marques ces mots-clés-là, je pense que peut-être tu trouveras quelque chose. Oh purée, il m'a fait peur, lui, c'est un brut. Hein. Tu la colles là-haut. Ouais. J'ai mis des coups de 830. Bah, chercher du métal, hein. Pour faire les selles. Hein. Bon, ça va. Tu la colles là-haut, là, il m'a fait peur, mais bon, ça va. Ouais, c'est ça, Verygame, tout à fait, Zandorku, ouais. Sur quel serveur? Verygame, c'est ça. Ouais, sympa, franchement, t'es sympa, Zandorku. C'est bien, ça, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment. C'est top. Donc, ça, c'est la grotte, ouais, où pour respirer, il faut des masques. Hein, donc, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, il faudra aller chercher les artefacts si on refait les boss. Hein. Ça ne doit plus en avoir beaucoup.